oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Y'a ceux qui veulent une vie de rêve et celles qui rêvent d'une vie où jamais l'amour crève. Mais ça c'est pas possible, je crois que tout tient qu'à un fil tant que... Suivez Samedi Sport sur Canal 2 avec Eddy Discard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce programme de l'actualité du sport à l'international. Nous sommes en direct et en exclusivité sur Canal 2. Ce soir, et comme d'habitude, nous allons vous offrir le meilleur du sport. Voici le sommaire. Au sommaire du Samedi Sport, Jeux africains de Brazzaville. Bienvenue dans le gigantisme de la cérémonie d'ouverture. À quelles conditions arrive-t-on à une telle prouesse? Quelles sont les performances de nos représentants? Focus local, au sommet de la Ligue 1, Moustar, Union, le champion Coton Sport et les clubs du centre rétrogradés de l'élite. Ensuite, nous vous ferons découvrir les coulisses du transfert du joueur le plus cher de l'histoire du foot français, transféré à 80 millions d'euros à Manchester United. Les modalités de ce transfert selon la presse britannique. Et nous sortirons avec un extrait d'un documentaire exclusif des Bleus de basket des années 2000 à l'Euro 2015. Messieurs et dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Batum will try a three. You bet! It's his overtime! Nicolas Batum! Salut, c'est Nicolas Batum. Suivez Samedi Sport sur Canal 2. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui est aujourd'hui constitué, bien sûr, des spécialistes, comme d'habitude. Le premier d'entre eux, Abou Daga. Abou Daga, bonsoir. Bonsoir, Eddy Discard. Bienvenue une fois de plus sur le plateau Samedi Sport. Merci, c'est un réel plaisir que de revenir. Très bien. Alors, on retrouve un autre, lui, il est journaliste sur les antennes de LTM Télévision, Marc Lionel Chouamou. Marc Lionel Chouamou, bonsoir. Bonsoir, Edith, et bonsoir à tous mes amis sur le plateau. Bonsoir à ceux qui m'ont connu à la maison. J'espère qu'on fera une belle émission. C'est un plaisir de vous retrouver tout de même. Justement, moi également. Très bien. Par la suite, lui, c'est un agent sportif qui, pour la première fois, est venu se livrer sur un plateau de débat, en tout cas d'émission sportive au Cameroun, notamment sur le canal de Alexandre Morfo. Alexandre Morfo, bonsoir. Bonsoir, Edith Giscard. Bienvenue à vous sur le plateau de Samedi Sport. Merci. Très bien, on continue avec le tout dernier, Bruno Yonguet. Bruno Yonguet, bonsoir. Bonsoir, Edith. La grande forme. C'est la grande forme, c'était un grand plaisir pour moi de me retrouver ici ce soir. Très bien. Sans plus tarder, on va passer à la première rubrique de cette édition, l'actualité de la presse sportive internationale et de la presse cybernétique locale. Au montage, Alphonse Ten. Always practice safe sex. Protégez-vous systématiquement lors de relations sexuelles. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. L'on débute avec le site 45x2 qui évoque le retour gagnant d'Eba Tobi au sein de l'effectif de New Star et qui a été l'unique buteur de son club ce week-end face à l'Union à la suite d'une mésaventure récente à l'étranger. Football 237 se penche sur l'ouverture de la Coupe du Cameroun de football avec un programme complet des rencontres des coupes qui auront lieu dès le vendredi 11 septembre. Les élections à l'Africa Foot font écho auprès des Camp Foot car selon le site, certains des candidats Tom Biaroko et Pro Iabouamet auraient décidé de s'en éloigner. Mabon fait également un démenti sur son implication dans le recrutement du canon cette saison. Le Mirror Sport évoque le cas de Wayne Rooney qui a battu le record de buts en sélection et devient une vraie légende du foot anglais et cela qui a valu des éloges de Messi qui dit de lui qu'il n'existe aucun footballeur meilleur que Rooney. Abola, le quotidien portugais, annonce la prolongation du Brésilien Jesus au sein du Benfica. Jusqu'en 2018, Jesus, d'ailleurs, évoque son désir d'être véritablement lié au club. Tutto Sport en Italie titre sur le mal-être d'Alvaro Morata, l'attaquant espagnol de la Juventus. Le club aurait lancé les négociations pour prolonger son contrat. Mais la Juventus est confrontée aux exigences contractuelles de la star espagnole. L'équipe, le quotidien français, fait un large focus ce matin sur le présupposé plan de l'OM
pour faire face aux nombreux départs et l'arrivée des nouveaux joueurs tout au long de cette saison. France Football fait un zoom sur le cas Martial qui, selon l'hebdomadaire, est devenu, à son corps défendant, le symbole d'un marché des transferts en pleine indécence. Le quotidien catalan Sport s'attarde sur les tensions au sein de la sélection espagnole et la volonté de Piqué de vouloir reparler avec Sergio Ramos, son compagnon de défense en sélection nationale. Ensuite, le président Florentino Pérez, qui a définitivement rompu les relations avec le célèbre agent portugais Jorge Mendes. Marca revient sur l'Eurobasket et les chances de l'Espagne et l'espoir de toute la nation espagnole qui repose sur un seul homme, la star NBA, le meilleur basketteur de l'Espagne de tous les temps, Pau Gasol. They gotta find a way to get to the free throw line. They gotta find ways to attack. There you go. There's the pow, pow. There's the attack part of that equation right there. Hi, my name is Pau Gasol. Watch Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour le premier sujet autour de cette émission concernant justement les Jeux africains de Brazzaville avec la cérémonie grandiose qui a eu lieu récemment du côté de Brazzaville justement. Justement avec vous, pour en parler, Bruno Yonguet, vous qui avez sans aucun doute jeté un coup d'œil sur cette cérémonie, quel sentiment qui a été le vôtre lorsque vous avez assisté plus ou moins, lorsque vous avez visualisé en direct cette cérémonie? On peut le dire, hein, aujourd'hui, on sent vraiment la progression parce que c'est le genre de cérémonie au niveau de tout ce qui est organisé au niveau des Jeux Olympiques, par exemple. Mais on se rend quand même compte que le Congo a mis des sérieux moyens. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on visualise cette cérémonie d'ouverture, on est très fier. On est très fier en tant qu'Africain parce qu'elle peut rivaliser aujourd'hui avec le type de compétition que l'on peut retrouver dans les pays occidentaux, notamment le Super Bowl aux États-Unis et tout ce qui est Jeux Olympiques. On voit l'organisation avec 3000 jeunes rythmés au tam-tam de l'Afrique. C'est vraiment une fierté pour nous, c'est vraiment une fierté parce que on peut aujourd'hui, grâce à des cabinets de communication créés pour le groupe TIAS, qui a participé grandement pour que cette cérémonie soit une réussite. Mais on va justement y arriver avec le groupe TIAS. Cependant, on continue avec vous, Abou Daga. Lorsqu'on a plus ou moins suivi cette cérémonie, on a vu la qualité, la précision chirurgicale des personnes qui ont participé à cela. On a eu l'impression à un moment qu'on n'était plus dans notre continent. Non, vous savez, on a eu un petit précédent avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Qui a servi de leçon de tremplin. Voilà, donc il faut comprendre que dans le monde aujourd'hui, le monde du sport, on est dans le sport business, il faut prendre les meilleurs. Quand vous prenez les meilleurs, vous avez le meilleur spectacle, vous avez la meilleure cérémonie. Mais pour cela, il faut mettre les moyens, il faut une véritable volonté. Et surtout une volonté politique, parce que je pense que c'est une compétition que ce pays a pris à bras le corps, avait vraiment envie de l'organiser et avait vraiment envie de marquer cette 50e édition des Jeux africains de quelque chose, de laisser une empreinte. Je pense que c'est tout à l'honneur du Congo et tout à l'honneur du continent et que tous les autres pays autour vont tricher le bon exemple parce que c'est aussi à ça que servent ces choses-là. Mais l'expression tricher, vous pensez que, est-ce qu'elle convient par rapport au contexte? Parce qu'il faut le dire clairement, on n'arrive pas à ce niveau de prouesse à tout hasard. Ça demande une précision particulière et surtout, comment je dirais, une expertise particulière. Est-ce que ce n'est pas là le clou du sujet, c'est-à-dire que l'essentiel? Non, l'expertise, vous savez, si vous avez un projet, vous êtes je prends un exemple, vous êtes une entreprise, vous êtes le PCA, vous avez un projet, vous mettez votre chose en place. Vous ne pouvez pas être au début, au milieu, à la fin de l'exécution de ce projet. Vous avez besoin de, comme un chef d'orchestre, de mettre les meilleurs éléments au meilleur endroit. Et ça, c'est vraiment choisir les spécialistes dans chaque domaine. Et pour cela, pour avoir les meilleurs, il faut mettre les moyens. On part de la volonté. Je pense que c'est à partir de là que tout se joue. Dès le moment où vous avez la volonté, vous y mettez les moyens et que vous êtes bien conseillé, vous choisissez les meilleurs, ils vous produiront le meilleur spectacle, ils vous donneront les meilleures infrastructures. Donc quand je parle de tricher, il y a un professeur qui m'a toujours dit, les meilleurs élèves, c'est ceux qui savent tricher, les bons exemples, les bonnes manières, ainsi de suite. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif, mais ça a marché parce qu'il y a une volonté et on a tout fait pour recruter les meilleurs. Et les meilleurs, qu'ils soient africains ou de n'importe quel continent, cette expertise-là, elle s'achète. Il y a des entreprises qui font tout aujourd'hui dans le monde. L'expertise, elle s'achète. Quand vous mettez les moyens,
vous aurez les meilleurs. Si vous voulez, ceux qui ont organisé la cérémonie de France 98 jusqu'à aujourd'hui, vous les recherchez, vous les aurez. Il suffit de mettre les moyens. Quand vous mettez les moyens, vous avez les meilleurs. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est tout à leur honneur et aussi à l'honneur de l'Afrique tout entière. En parlant justement d'expertise, on rappelle tout simplement que, à la suite des informations qu'on a pu obtenir, la structure qui a obtenu ce marché était simplement le groupe Atias, qui est très réputé, très introduit en Afrique, notamment au Gabon, au Qatar aussi, et qui organise de nombreuses cérémonies de cet ordre-là, un peu dans le monde entier. Alors aujourd'hui, revenons sur le cas du groupe Atias, très installé en Afrique, qui est l'équivalent de ce que peut être Bolloré au niveau du port éventuellement, bien sûr. Mais revenons sur le cas du groupe Atias avec vous, Bruno Yanguet. Pensez-vous que c'était un choix stratégique, un choix mûrement réfléchi? Et c'est peut-être cela qui a dû amener les organisateurs à en arriver à ce niveau en termes de spectacle. Mais je dirais tout simplement, comme a dit mon prédécesseur, que le Congo a voulu faire avec les meilleurs. Je pense quand même que le groupe Atias, avec son PDG Richard Atias, qui est un groupe, je dirais, marocain, parce que M. Atias, il faut le noter quand même, c'était un marocain d'origine. Donc pour dire aussi que les Africains peuvent rivaliser avec les meilleurs, même au niveau de l'Occident. Moi, je pense que le groupe a fait ses preuves. Hein. Comme il a dit, on l'a vu avec l'organisation d'autres éléments similaires, notamment au Gabon. On a pris les meilleurs, ils sont africains et nous en sommes fiers. Voilà. En revenant sur le groupe Atias, juste un petit rappel. Hein. Monsieur Atias, c'est simplement celui qui a, entre guillemets, permis de reprendre la femme de l'ex-président français. Parce que Cécilia, ex-Sarkozy, est devenue Cécilia Atias aujourd'hui. Alors, avec vous, Marc Chouabou, revenons sur les performances du groupe Cameroun pendant ce début de compétition, notamment des Jeux africains, que rappelons-le, bien sûr, c'est en direct sur les antennes de Canal 2 International, vous pourrez suivre assez souvent. Alors, Marc Lionel Chouabou, au niveau des performances du Cameroun, en karaté d'ailleurs, il y a déjà eu une médaille en or. Bien sûr. Ouais, en karaté, on a déjà eu une médaille en or. Ça ne fait pas deux jours qu'on a eu donc cette médaille. Et j'ai l'impression qu'avec la compétition d'il y a 4 ans à Maputo, on est un peu en retard sur l'acquisition des médailles. Aujourd'hui, on est à 5 avec 2 médailles en or désormais. Donc, on a un peu progressé au classement. Je crois qu'on est désormais dans le top 6 de ce classement aux Jeux africains avec une nouvelle médaille en haltérophilie cette fois-là. Mais je pense qu'on va... Nos chances vont se multiplier beaucoup plus avec les compétitions, on peut dire, individuelles que collectives, parce que j'ai l'impression que c'est un peu mal parti pour le collectif, parce qu'on a encore de grosses écuries devant nous. Les compétitions, vous savez, collectives mettent un peu plus long que les compétitions individuelles. Je vais prendre un peu l'exemple du foot féminin, où c'est une grande chance de médaille, avec peut-être l'info de ce soir, avec le match nul entre le Ghana et l'Afrique du Sud à 0 but partout. Voilà une occasion pour nous de se qualifier au prochain match contre le Ghana. Vous savez qu'on est dans une poule à 3 et c'est un peu plus complexe, surtout qu'on a fait match nul à la première sortie, un but partout contre l'Afrique du Sud. Donc nous, on a marqué déjà, ça fait qu'on a un pas d'avance sur la sélection ghanéenne qui n'a pas encore marqué. Donc on est en pole position pour se qualifier pour le deuxième tour. Donc c'est ça également d'important. Et devant, il y a le Nigeria qui est déjà au second tour en demi-finale et la Côte d'Ivoire également en demi-finale. Et en basketball, également chez les dames, ça se passe bien pour le départ parce qu'on a joué des formations minimes comme le Congo, un pays local qui n'a pas l'habitude de ce type de compétition-là. Donc on a la mine avec 70 points d'écart, 98-28. C'est très flatteur parce que la compétition n'a réellement pas encore débuté. Chez les voleurs, on est au deuxième tour. Ça promet, mais ce sera difficile pour les collectifs. Même temps, sur le plan individuel en athlétisme, là on attend peut-être des chances de médaille, mais beaucoup plus au karaté. Parce que le karaté, c'est grandement champion de médailles. Maître Wakam, qui est par là, s'est plaint du fait que lors de la remise des médailles, aucun représentant du ministère n'était présent. Il s'en est offusqué d'ailleurs. Et on remarque aussi que l'athlète qui a obtenu cette médaille d'or, notamment, ne vit pas, ou bien sûr, au Cameroun, bon, quoi que ça ne pose pas un souci en tant que tel. Mais une fois de plus, ça remet en question le fait que les personnes qui tirent le pays en tant que sportivement vers le haut ne sont pas des ressortissants du territoire. Je crois que par leurs agissements, ils montrent carrément que le foot est toujours le sport roi, alors qu'on venait dans une optique où, avec ces Jeux africains, un peu avec la cérémonie grandiose, tout ça, on accorde l'intérêt pour tous les sports. C'est pas parce qu'on ne s'est pas qualifié au football masculin qu'on ne se doit pas d'accompagner. Je pense que pour une cérémonie quand même de remise de médailles, où on est sûr quand même que dans cette discipline-là, on aura des médailles d'or au lieu des compétitions un peu collectives où on a de grosses formations, peut-être au foot féminin ou au volleyball ou au basketball, on a plus de chances de médailles en karaté. Dans cette discipline-là, excusez-moi,
Mais le karaté, aujourd'hui, en train de prouver, sur les 5 médailles qu'on a, le karaté a 4 médailles à elle toute seule, cette discipline, 3 en bronze, 1 en or. Donc, il faut compter avec elle. Je comprends qu'il s'offusque comme ça parce qu'il fait d'abord partie du comité national olympique. Et je crois que le ministère des Sports, sachant que c'est une discipline où on peut avoir au moins 8 médailles, aurait dû quand même déléguer quelqu'un pour cette cérémonie. Donc, ça montre que clairement le manque de considération autour du karaté, qui est pourtant une discipline qui compte pour nous, parce qu'au finish, ça va compter les petites médailles engagées entre guillemets par le karaté bronze, argent, et puis en médailles en or. Vous savez que le Congo était déjà devant nous parce qu'ils avaient déjà 2 médailles en or. Maintenant, on a 2 médailles en or, et les autres médailles qui sont derrière nous permettent de passer devant le pays organisateur. Donc, on remarque aussi que ce sont les pays les plus titulés qui sont en tête du classement des médailles. On sort de cette actualité tout simplement avec la deuxième rubrique de cette édition intitulée Le retour de la rubrique que vous adorez d'ailleurs, le Man of the Day, qui nous est présenté par William Bella au montage. Brian Webb. The Man of the Day, le gardien camerounais Idriss Carlos Kameni est l'auteur d'un début de saison tonitruant avec son club Malaga. Et face à Barcelone, ses prouesses ont été remarquables. Vincent Aboubakar, auteur de 3 buts en deuxième journée de Ligue portugaise, est encore l'homme décisif avec le Cameroun face à la Gambie. Gaël Nganamouit, une fois n'est pas coutume, entre dans cette rubrique avec son triplé en club. Alors à vos votes sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Samedi Sport. Alors n'hésitez pas à aller sur nos pages Facebook, notamment Twitter, pour pouvoir voter pour votre Man of the Day. Alors on évolue avec cette actualité qui a été dense ce week-end, notamment avec celle des Lions, qui évoluait du côté de la Gambie, également le championnat local de Ligue 1, qui a vu consacrer le coton sport. On va évoluer avec cette titraille, notamment celle de Camp Foot, cette semaine, qui, à la suite notamment de ces différentes rencontres, a titré sur le cas, effectivement, la performance des Lions, un but partout face à Gambie. Abou Daga, lorsqu'on voit la titraille du site Football 237, face à l'Afrique du Sud, les Lions qui sont un tout petit peu mises en difficulté, est-ce que ça a été le fruit d'une mauvaise préparation, selon vous? Bon, vous savez, l'impréparation, parce que je ne vais pas parler de préparation, l'impréparation pour nos sélections nationales en dehors de l'équipe nationale Fagnon, homme, masculine, est quand même assez connu au Cameroun. Vous savez, on a vu ce qui s'est passé juste après le retour de ces filles de la Coupe du Monde, de ce qu'elles ont fait là-bas, à la préparation des matchs d'éliminatoire. On a vu un peu l'équipe à un moment s'entraîner avec des maillots et t-shirts comme les équipes de 2-0. Donc, je crois que pour les Jeux africains, ce n'était pas si merveilleux que ça, ça ne surprend pas. Mais elles aussi doivent comprendre que quand vous devenez favori, il y a des attentes. Et des attentes, il faut. Et chacun qui vient vous jouer contre vous maintenant joue sa finale, joue sa grande compétition, veut se faire voir. Tout le monde veut gagner contre les meilleurs. Donc, c'est à elle aussi de se mettre au niveau. Mais comme on disait, heureusement, c'est une poule à 3. Donc, si elle gagne le match contre le Ghana, elle se retrouve directement en demi-finale. Donc, elle peut se rattraper. On est encore au niveau de la phase de poule. Mais elles étaient favoris de ce match contre l'Afrique du Sud. Le fait qu'elle ne gagne pas est un peu surprenant. Mais c'est normal, on est en compétition. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. On espère qu'elles gagneront le prochain match contre le Ghana. Alors, Georges Rimazom qui nous a rejoint, bien sûr, sur ce plateau. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi à vous dans cette édition. Merci, c'est un plaisir de venir. Très bien. Alors, dans l'évolution toujours de cette actualité, comme on a vu tout à l'heure, la titraille de la presse cybernétique, c'était Camp Foot à l'instant. On va revenir avec le Football 237, qui a aussi évoqué le cas de l'actualité locale, notamment avec les différentes performances de ce week-end. Là, par contre, c'est Camp Foot. On va évoluer avec le Football 237, le site Football 237, avec les performances de ce week-end, notamment au stade de la qualification, avec la rencontre phare, New Star, face à l'Union de Douala. Oui, c'était une finale
on va le dire comme ça, de ce championnat. C'est vrai qu'une autre se jouait du côté de Gabon, mais pratiquement l'attention de tout le monde footballistique de ce pays était plus focalisée à Douala qu'à Gabon, parce que je ne sais pas trop pourquoi, beaucoup savaient ou s'attendaient même, parce que Botafogo gagne du côté de Garoua et que le titre se joue ici à Douala. C'est d'ailleurs le scénario qui a failli se dessiner, parce que Botafogo ayant tenu un échec quand on est du côté de Garoua, ici à Douala, l'Union avait la possibilité de l'emporter le titre. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, donc c'est normal que l'actualité ait été déportée du côté du stade de la réunification plutôt que... Très bien, on va aller plus en profondeur dans le cadre de cette actualité. Avant cela, je vous prie, messieurs et dames, de suivre les coulisses de cette rencontre. Nusta, Union Sportive Douala. La 34e journée de Ligue 1 restera à tout jamais pour cette saison un scénario sans merci. Tant les enjeux des rencontres étaient cruciaux, les fameuses suspicions des matchs arrangés étaient à tout jamais levées pour faire face au duel au sommet du championnat entre Coton Sport, le leader, qui reçoit Botafogo à Garoua, ainsi que le derby de Douala des frères ennemis, New Star face à Union de Douala, qui a suscité une foule des années glorieuses de notre championnat. La sortie des vestiaires des deux équipes est associée à celle du fair play dans une ambiance cordiale. Le début des rencontres est assez haché, les deux équipes s'observent énormément. L'impressionnant Ken Gilajoué, le nouveau capitaine des Verts, étale toute sa vista. Len Samuel est lui aussi hors norme. Deux champions, peut-être sur ce ballon. Samuel Lay, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Extérieur, il a tué le joueur. La frappe! Ah là là, c'était pas loin! New Star, cependant, est loin de démériter. L'effectif note le retour d'Ebab Tobi, meilleur buteur du championnat, et le jeune Ejarpa, qui confirme tout le bien que l'on pense de lui. Le résultat à la mi-temps de 0-0 consolide Coton Sport dans son fauteuil de leader. Ce soir, comme acquis. Que ce soit du côté de New Star ou de l'Union de Douala, nous sommes en train d'assister à une très belle rencontre. Vous comprenez pourquoi les enjeux à ce niveau sont extrêmement élevés. Toutefois, avoir eu les résultats des autres rencontres, nous vous les donnons directement 0-0 à Garoua pour l'instant. C'est le score qui vous intéresse. Voilà, ça veut dire que 0-0 également ici, à ce stade, New Star serait toujours africain. Mais nous ne voulons pas dormir sur ces lauriers. Nous voulons, n'est-ce pas, être le deuxième. Et vous voyez que la partie s'annonce très difficile. À la reprise, les deux équipes déroulent un jeu de qualité. Et New Star, grâce à un appel magistral de Batobi, l'attaquant fait la différence avec un lob astucieux. Watch out for this one. He is sent to us. And this is a goal. Go, go, go! A surgical pass from Mama Asomo. And a beautiful, beautiful, beautiful conclusion there. À cet instant, New Star est assuré pour la seconde place. Mais c'était sans compter avec le talent d'une génération de joueurs de l'Union, dont certains constitueront sans aucun doute le socle de la sélection Fagnon. Et le plus doué d'entre eux, Camara Djecté, solide défenseur de 19 ans avec un potentiel exceptionnel. C'est vrai, je pense que Djecté, c'est d'abord en mon sens la révélation de ce championnat parce qu'il est à sa première saison de sa carrière en Ligue 1 camerounaise. À un quart d'heure de la fin, Len Samuel, à la suite d'une faute aux abords de la surface, enroule le cuir dans la lucarne ardoise. Le stade est en liesse et le suspense repart de plus belle, au point de rappeler les années glorieuses du football local. Les deux équipes se séparent sur le score d'un but partout, qui fait de Coton Sport une fois de plus le champion du Cameroun. Je crois qu'on a un petit regret, mais bon, on a tout donné aujourd'hui. On avait en face de nous une très bonne équipe de New Star avec ses expérimentés. Et bon, on a donné le meilleur de nous, on est qualifié pour la Champions League. Beaucoup n'attendaient pas ça au début. On nous a traités d'école primaire et voilà, nous sommes déjà en Champions League.
Félicitations à tout le groupe et félicitations à tous les supporters qui sont venus ce soir. Le public a été présent à ces rendez-vous. Les joueurs ont démontré tout leur talent. Le football a une fois de plus apporté tant de plaisir dans le chaudron de Bepanda. Alors le fameux chaudron de Bepanda, est-ce que l'expression en vaut la chandelle au vu de l'ambiance qu'on a vécue? On était tous au stade, hein, tous. Franchement, ce fut un plaisir. Je ne sais pas si ça a été le même ressenti de votre part. Ouais, pour moi, quand même, ça a été une grosse surprise. Tout d'abord, pourquoi? Parce que lors des anciennes affiches New Star Union, il n'y avait pas autant de monde. Lorsqu'on trouve autant de monde au stade de la unification, c'est lorsque deux équipes mythiques, c'est-à-dire des équipes qui ont un contingent de supporters assez important, parfois quand Bamboutos de Bouda vient jouer à Douala, que ce soit peut-être Cosmos Dumbam, mais New Star Union de Douala, c'est quasiment difficile. On a vu des gens qui ne venaient pas au stade depuis fort longtemps, qui sont revenus parce qu'il y avait au-delà de ce derby de l'enjeu. Il y avait de l'enjeu, il y avait l'enjeu du titre, il y avait l'enjeu de la Ligue des Champions, donc on pouvait mettre de côté ces relations par rapport à l'argent, cette affaire d'argent qui circule à gauche et à droite, parce que toutes les formations engagées pour ces dernières journées-là, au moins pour le match de Douala entre New Star Union, chacun voulait jouer quelque chose. C'est-à-dire on ne pouvait pas s'arranger des copinages de petits amis, donc on avait droit à un vrai match. Et avec un duel de génération, c'est-à-dire Union qui joue avec des jeunes à peu près, et New Star qui a composé avec des joueurs plus expérimentés. Alors on va regarder au-delà des effectifs. Ouais. Très bien. Alors, je salue vous, Georges Rimazov, sur le cas de l'ambiance toujours, parce que même avant d'entrer dans ce studio, encore à l'instant, j'ai été interpellé dans la rue par des personnes qui étaient au stade, qui me disaient, monsieur, ce fut un spectacle, ça m'a rappelé les années glorieuses du football camerounais. Vous qui êtes quand même une personne qui a quand même un tout petit peu de vécu, en tout cas assister à ce genre de rencontre, comment avez-vous été après être sorti de cette rencontre? Au-delà de l'enjeu, quand c'est bien décrit Marc, je me souviens qu'il y a très longtemps, on n'avait pas assisté à un tel déferlement au stade de l'unification de l'Epanda. À l'extérieur, c'était quasi impossible de circuler avant et après le match. Un bouchon fou qui m'a rappelé les années 80 quand le grand canon venait ici. Déjà, on a pratiquement la même sensation lorsque Union a joué face à Canon des Yaoundé. Mais ce qui s'est passé dimanche était un peu plus fort, parce qu'il y a eu effectivement les enjeux que nous avons soulignés, Union qui jouait le titre et New Star qui forcément défendait sa place en compétition africaine et qui pouvait, pourquoi pas, jouer la Champions League l'année prochaine. Je disais que l'ambiance à l'extérieur était telle que cela m'a replongé dans ces années dont je parlais tout à l'heure, les années 80, où le Grand Canon venait ici à Douala jouer qui contre l'Union, contre le Dynamo, Caïman, Léopard, etc. À l'intérieur du stade, d'ailleurs les images étaient suffisamment parlantes, quand New Star ouvre le score, c'est tout le stade qui applaudit, à se demander s'il n'y a que des supporters de New Star au stade. Et quand Union égalise, c'est pratiquement la même clameur qui jaillit de partout. Bon, l'ambiance était folle, était impressionnante, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. À la fin du match, j'étais dans le véhicule d'un ami, nous avons mis pratiquement 30 minutes à partir de la tribune couverte. Oui, bien sûr. Dite présidentielle. Pour le stade annexe, 30 minutes, une distance que généralement, quand c'est... En 5 minutes, en moins de 2-3 minutes, c'est... C'est fait même à pied, hein, vous la faites en moins de 10 minutes. Mais ce jour-là, 30 minutes, j'ai chronométré, c'était impressionnant. Alors, Abou Daga, vous qui êtes dans le milieu agent sportif, vous l'avez été, des gens de club, etc. Décidément aussi, on peut parler cette fois-ci des schémas tactiques des deux équipes, notamment New Star qui a plutôt un schéma assez refermé et l'Union Douala qui joue plus vers l'avant. Non, je pense qu'on a parlé de l'ambiance, mais la raison pour laquelle à la fin il y avait encore de l'embouteillage, c'est aussi la qualité du spectacle. La qualité du spectacle. Parce que les gens peuvent venir nombreux et rentrer déçus de ce qu'ils ont vu. La raison pour laquelle il y avait aussi encore de l'enthousiasme. Il y avait des jeux qui en valaient la chandelle. Voilà, parce que la raison pour laquelle il y avait encore de l'enthousiasme à la fin du match, c'est parce que le spectacle qui était, il y avait une certaine qualité. Maintenant, quand on regarde les deux équipes, il l'a dit tout à l'heure, c'est une forme de choc des générations, c'est des équipes différentes. New Star a une équipe beaucoup plus expérimentée, une équipe plus aguerrie qui a l'habitude de ce championnat de première division. L'Union aussi, oui. Voilà, et l'Union a une équipe moins expérimentée qui est jeune,
qui a des joueurs expérimentés quand même, mais qui est beaucoup moins expérimenté que celle de New Star. Bon, l'équipe de l'Union, on connaît bien depuis cette saison son style de jeu. C'est un jeu assez léché, une équipe plutôt offensive qui joue bien au ballon. Et l'équipe de New Star est une équipe qui est compétitive, c'est-à-dire qu'une équipe qui joue le coup à fond. On a vu le but des balles, c'était même pas la troisième occasion de New Star en deuxième mi-temps, mais il a eu la mise au fond. Donc, je le disais à ceux qui étaient assis à côté de moi dans le stade, le danger de l'Union, c'est d'avoir des occasions et de ne pas les mettre au fond. Parce que New Star, chaque fois qu'ils en auront la possibilité, ils vont faire mal. Mais l'Union a eu la possibilité de revenir. Mais j'ai senti cette équipe de l'Union un peu crispée en début de match. Parce que lors de la première mi-temps, elle a du mal à démarrer, oui. Elle n'a vraiment pas joué son style de jeu. Elle a joué le style de football de New Star à un certain moment. Donc, elle n'a pas pris le match par le bon bout. Ce qui peut se comprendre parce que, voilà, c'est une certaine pression. Quand vous arrivez, vous avez un événement comme celui-là pour la première fois, vous n'êtes qu'un être humain. C'est normal qu'il y ait un peu de stress, qu'on ne veuille pas prendre des risques. Alors que les jeunes, normalement, c'est l'insouciance. Et en première mi-temps, l'Union n'a pas eu cette insouciance. Mais dès que New Star a marqué, comme ils n'avaient rien à perdre, oui, cette insouciance est revenue, ils se sont lâchés, ils se sont fait plaisir. Je suis extrêmement fier de voir des garçons comme Ken Villadieu, Len Samuel, on y vient, et autres on y arrive, faire de bonnes choses comme on ça. On y arrive à bout d'agar. On est justement à la fin de la saison. Ce n'est pas sans doute le moment de parler du bilan, bien sûr. Mais cependant, on peut déjà se permettre, parce que le service des sports de Canal 2, notamment tous ceux qui assistent et couvrent les rencontres pour vous, amis téléspectateurs, bien sûr, on s'est permis de vous composer 11, le 11 types de la saison que vous allez voir à l'image, bien sûr, c'est-à-dire que ceux qui sont considérés par nous comme étant les meilleurs joueurs de la saison. On va demander à la réalisation de nous agrandir cela. On voit au goal le gardien de Botafogo, Hugo Niamey, à droite, Kao Fabil, à Tangana Vondo à l'axe, accompagné de Kamara Djété. À gauche, Oyongo Bitolo, à droite, Kombi Mandjan, donc moi je vais y arriver. Au milieu de terrain, Achoutambé, Ken Giladjoué, Rodolphe Gombe-Benga de Botafogo, ensuite Joseph Yanqui, la pépite de Coton Sport, à la pointe de l'attaque, nous avons Len Samuel et bien sûr Eba Tobi, le meilleur buteur de ce championnat. Alors, vos réactions à la suite de ce 11 types, selon bien sûr notre service, hein, ce n'est pas celui de la Ligue ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je pense que nous qui couvrons ce championnat, on a quand même la crédibilité nécessaire pour pouvoir donner notre avis sur ce genre d'analyse. Alors, Marouna Chamo, vous pouvez faire aussi avec LTM Télévision. Je crois que je suis un peu dubitatif pour sur quatre postes. Oui. Ça n'aurait pas fait l'unanimité. Hein. Bien sûr, ça ne fait jamais l'unanimité. Voilà, dubitatif sur quatre postes. Autant au niveau du gardien de but, je suis d'accord que Niamey, malgré qu'il soit plus expérimenté que la majorité des gardiens qui jouent dans ce championnat, soit toujours devant. S'il est bon, on doit dire qu'il est bon. Je crois qu'à la phase aller, c'était pratiquement le meilleur gardien, avec seulement 9 buts encaissés. À la phase de tout, ça a été moins parce que Botafogo a eu une phase un peu difficile. En position d'arrière-gauche, il est sans aucun doute que Alexandre Kombi-Mandjan, qui est encore plus international camerounais, soit le numéro 1, même si derrière on aurait pu voir un nouveau Tolo de Botafogo. Qui a aussi pas mal, qui est très intéressant. Oui, bousculé un peu parce que Kombi a joué moins de matchs que lui, Kombi a fait la sélection et il en a profité, nouveau Tolo, je crois que ce sera pour la saison prochaine. Dans l'axe, je n'ai aucun problème avec cet axe central. Mohamed Djété, un garçon tranchant, qui anticipe beaucoup. L'instinct de l'anticipation qui écœure les attaquants, mais on va faire avec. Atangana Vondor également dans l'axe. Darosa disait de lui que c'était sa meilleure recrue. À Coton Sport de Garoua, d'aucuns diront que dans les matchs importants ici à Douala, il n'aura pas été fantastique. Mais je pense que sur quatre matchs ici, il a au moins présent sur deux. Et dont un beau but contre Astre, un super coup français au match aller. À droite, Kao Fabril, pour moi, ne sera pas le meilleur latéral droit à ce poste-là. Il y a eu mieux que lui, je songerais même à côté d'Alain Martial de Panthère Dundee qui pourrait se retrouver là et d'autres même, mais Kao Fabri c'est très discutable. Au milieu de terrain, autant Ken Villadjoué peut se retrouver là, mais il faut qu'il y ait un milieu de terrain type à côté de lui. Et pour ce registre-là, ils sont nombreux. King Pondo Stéphane de Coton Sport a fait une saison formidable. Parce que pour le capitaine de Coton Sport, je crois qu'il a marqué 4 buts cette saison pour lui étant à cette position-là. On pouvait le coller à Ken Villadjoué, comme on pouvait également mettre à ce poste-là à Steve Atanga de Botafogo. Très bon milieu de terrain également. Voilà, à gauche, je crois que Yanqui a un tout petit peu mis un peu un bémol à cette saison avec son voyage qui n'a pas donné. Le temps qu'il a mis du côté
l'étranger. Lorsqu'il est revenu du temps de redémarrer avec les autres ont pris de l'avance sur lui. Alors qu'en première partie de saison, c'était Young qui est pratiquement le meilleur joueur à ce poste-là, devant Emi Cabon Christian. Et le cas Achoutambé, Moi, je placerai un autre joueur à la place de Young qui, à droite, Achoutambé. On aurait pu aussi mettre Dongo de Coton Sport qui aussi était pas mal. Il était pas mal, mais le problème, c'est qu'il n'était pas régulier. Il n'était pas titulaire d'abord dans son club, c'est-à-dire c'était un coup Dongo. Je crois que sur la première partie de saison, même, ce n'est pas lui le titulaire dans l'équipe. Même dans sa propre formation, déjà, c'était très, très difficile pour lui. En tout cas, chaque fois qu'il venait à Douala, c'est parce que j'ai peut-être pas fait connaissance de ces listes avant, j'aurais sorti peut-être d'autres noms dans d'autres clubs, que ce soit à Unisport du Roncam ou bien dans la formation. Il est deux à pont de l'attaque, selon vous. Je vais peut-être à droite pour Achou, parce qu'il a manqué peut-être 6 à 7 matchs parce qu'il est sorti. Il a joué au moins 26 à 27 journées du championnat. Il était pratiquement le meilleur passeur de New Star. Je crois qu'il a marqué 5 buts avant de sortir à Choutambi. Et puis en pointe, moi, j'associerai les deux meilleurs attaquants du championnat. J'associerai Eba Tobi à William Tchouaméni du New Sport, parce que Eba Tobi est le joueur, l'attaquant qui a le plus joué de matchs cette saison. Il en a joué 30, il a marqué 16 buts. Tchouaméni en a joué moins parce que Tchouaméni a été blessé longtemps en début de saison. Il en a marqué 14. Len Samuel n'a joué que 12 matchs, il a marqué 12 buts. Jude Cornu a joué également moins. Je crois qu'il a joué de Young Sport Academy, 29 matchs, il en a marqué 12. Cette saison, Benge qui est là également a joué moins de matchs. Il a débuté la saison comme remplaçant. Je crois les 7-8 premières journées après, il est devenu titulaire en puissance. Et puis depuis le départ de Kemajou, il s'est installé. Il a marqué 11 buts, si je ne me trompe pas, avec pas moins de 6 passes décisives dans son équipe. C'est des garçons que peut-être je mettrai à côté des Batobi. On ne peut pas retirer le meilleur buteur du championnat comme ça. Mais au milieu de terrain, il n'a pas sa place là. Il a sa place devant maintenant. Au milieu de terrain, là, Ken Giladjoué pourrait être accompagné d'un Atanga ou bien d'un autre joueur, King Pondo Stéphane, que je serais comblé. Très bien, ça c'est l'avis d'un autre expert. On respecte bien sûr ceci, ça, le but de l'analyse, qu'on puisse, n'est-ce pas, échanger autour de cela. On va évoluer assez rapidement, si vous le permettez, messieurs, bien sûr, avec celui qui est considéré comme la révélation du championnat du côté des entraîneurs, notamment Diallo Souré. Je pense que vous êtes assez unanime, puisque c'est sa première saison sur le banc, et même s'il a été... Posé, on vous dira si c'est une année. On discute. Si le sujet aussi. Non, ouais. on y arrive sur le cas Diallo Souré. Mais avant le cas Diallo Souré, on va évoluer avec un autre cas. Ça vous permettra de réagir assez rapidement dessus. Sur Darossa, que nous avons considéré, pour des raisons de performance, en tout cas pour l'ensemble des difficultés que Coton Sport a dû faire face cette saison et sa capacité à réagir avec son groupe, comme étant le meilleur entraîneur de Ligue 1. Est-ce que, d'abord, vous, Abou Daga, c'est votre avis concernant le cas Darossa? Non, je pense que si on regarde qu'on est dans une compétition et que sur le plan de la compétition, l'équipe qui finit première, qui est championne, on peut considérer qu'elle a le meilleur entraîneur. Ça, c'est de prime abord, on peut décider que c'est le cas. On est dans les fondamentaux. Voilà, mais maintenant, on pourrait regarder, à part cette logique-là, on pourrait regarder quels sont les moyens, quel est l'effectif, quels sont les moyens que ceux qui ont en face ont. Moi, j'aurais donné Diallo Souré meilleure révélation chez les entraîneurs et j'aurais donné Diallo Souré meilleur entraîneur de la saison sans aucun doute. Ou encore, j'aurais dit Diallo Souré meilleur entraîneur de la saison et Ndiam Laurent de Botafogo révélation. Donc, j'aurais pu, moi, par exemple, ça si j'avais discute, ça c'était moi qui aurais voté, j'aurais voté Diallo Souré meilleur entraîneur et Ndiam Laurent révélation. Donc, c'est pour vous dire que sur la logique, il est champion, il est meilleur entraîneur. Ça, c'est sûr. Edith, en 30 secondes. L'année dernière, je ne pouvais pas discuter du titre d'Arosa que vous avez décerné sur votre plateau comme entraîneur. Autant cette saison, je ne trouve pas. Parce que les matchs importants de Coton cette saison, surtout à Douala, qui était le virage, parce que la Ligue 1 s'est jouée à Douala, dans les matchs importants, il a manqué un manque de tactique cruel. Dans ces matchs-là, l'année dernière, autant il était fort que cette saison, il n'a pas réussi à trouver l'équation des clubs de Douala. Contre Union, en match aller-retour, Union a pris 4 points sur Coton Sport. Contre Botafogo prend 4 points sur Coton Sport. Contre New Star, il se partage les 6 points. Et dans le jeu, même ça s'est vu, il a un effectif de qualité, mais il n'a pas su cette saison ressortir un collectif fort par rapport aux anciennes années de Coton Sport de Garoua. C'était le grand défi cette saison pour Darossa Gomez, avec le recrutement qu'il a fait cette saison, Yankee, recruter d'autres joueurs. Si d'autres clubs avaient eu les moyens de Darossa ou bien la qualité de certains joueurs, je pense qu'ils auraient fait mieux. Je pense, pour moi, c'est pas parce que c'est à Douala ou au littoral
ça se discutera. Pour moi, ça se discutera. C'est sa première saison. Oui, c'est sa première saison, mais ça ne refuse pas qu'on lui. Attention. Non, le principe. Pourquoi se mettre d'accord? C'est sa première saison. On va dire, on va se mettre d'accord, il est excellent. Ok, d'accord. Mais le principe voudrait que, du fait que ce soit sa première saison, on parlera de lui comme étant la révélation. Je vous donne un exemple. Oui. Allez-y. Je vous donne un exemple. Allez-y, il y a deux exemples. Même chez les joueurs, par exemple, on a eu Eden Hazard en France, meilleure révélation et meilleur joueur du championnat. Gareth Bale a été meilleure révélation et meilleur joueur du championnat. Si j'avais à faire le choix, je dirais Diallo Séoué, meilleure révélation et meilleur entraîneur du championnat. Mais on pourrait aussi dire Ndiam Laurent, meilleur révélation. Mais si Constance atténuante à Darosa, il faut dire que le recrutement de Coton cette année est différent du recrutement de Coton des saisons ça antérieures. Ça sert à tout le départ. Coton a eu de meilleurs moyens par le passé, a mieux recruté par rapport aux moyens. Parce qu'ils ont pris les meilleurs dans d'autres pays et ça leur a permis de faire la différence. Parce que les matchs clés dont vous parlez, par moment, le bon entraîneur, c'est aussi des bons joueurs. Vous pouvez être aussi bon que vous voulez si on vous met des... Il y a une fois, je me rappelle, quand Kanu quitte Arsenal, et qui part à West Brom pour faire un petit truc West là-bas. West Brom à bien. On lui demande dans une interview, hein, Greg Maxson qui était l'entraîneur là-bas, c'est un entraîneur qui est très virulent. On lui dit, mais ça vous change d'Arsène Wenger. Mais il vous dit, je vous... Kanu a répondu, je vous garantis qu'Arsène Wenger qui est très calme, si on le met avec cet effectif, il va crier, cela que sa gauche va quitter. C'est pour vous dire que la qualité des joueurs aussi a... Ça ne retire pas les stats quand même de Darosa. Il a fait 16 matchs sans défaite jusqu'à la défaite contre Botafogo à la phase aller. Union aussi a fini avec 16 matchs sans défaite. Donc, les deux entraîneurs sont presque au même pied d'égalité. Très bien, on évolue avec la révélation de la saison, toujours selon notre service, bien sûr, autour du jeune défenseur de l'Union sportive de Douala, Camara Diété, que vous allez voir apparaître à l'image, bien sûr, qui a fait une saison assez fabuleuse. Je pense qu'on est tous unanimes sur ce plateau sur la qualité de ce jeune défenseur. Un mot, peut-être Marchand Mot, sur le cas Camara Diété. Là, je suis d'accord avec... Mais je savais avec que forcément, vous êtes d'accord. Révélation choix. Parce qu'ils sont peu les jeunes qui ont pu être titulaires cette saison d'abord. Il a 19 ans, Camara Diété. Voilà, c'est un national. Il a obtenu son probateur cette saison. On dit félicitations à lui. Félicitations pour le probat. On espère qu'il aura le bac avec un titre de champion à l'appui. Pourquoi pas la saison prochaine. C'est un garçon, vous avez dit, moins de 20 ans, et international espoir cette saison. Donc, ça montre la consécration et le niveau de jeu. Il n'a manqué que quelques matchs parce qu'il était en sélection espoir cette saison. Il n'a participé à carrément. Espoir, il était souvent assez. Non, en sélection espoir, il a été mis sur le banc parce que c'est un problème de choix. Et d'entraîneur, non, mais attention, je ne discute pas de sa qualité. Je dis simplement que dans l'esprit de la sélection espoir, on a eu un complexe parce que, il faut le reconnaître, hein, nos entraîneurs sont des complexes pour des joueurs qui viennent de l'étranger, alors que localement. Oui, mais il est déjà camerounais. Moi, je pense qu'il est déjà camerounais, même dans sa façon d'agir. On reste sur les performances du terrain. Pardon. J'aime qu'on reste sur les performances du terrain. C'est un garçon prometteur. Moi, j'ai dit, il a un sens d'anticipation qui est impressionnant. Les attaquants ont du mal parce qu'il est. Pour un défenseur de son âge. Oui, pour un défenseur de son âge. Il est costaud. Il ne s'est pas blessé, il s'est blessé, je crois, une fois cette saison, légèrement. Il a pu revenir. Et à côté de Mundi, je crois que Mundi, là, il a grandi au terme de la saison. Si Mundi était resté, je crois que Mundi aurait été l'un des meilleurs défenseurs de ce championnat. Très parce bien, que Mundi, l'a aidé à grandir, c'est une force en puissance. Je sais que les sujets qui ont été abordés vous amènent les uns et les autres à pouvoir réagir énormément, mais effectivement, on a un conducteur à suivre, je suis désolé, monsieur. Et on va devoir évoluer par rapport à ce conducteur. On ne va pas y passer toute la nuit non plus. Mmh. On évolue avec celui qui est considéré toujours par ce service comme étant le meilleur joueur de la Ligue 1. Je sais qu'en off, ça fait jaser, hein, mais je ne vous donnerai pas le temps d'autant jaser par rapport à cela. Mais je vais vous laisser tout simplement donner votre avis sur le joueur de la Ligue 1, selon nous, Len Samuel, auteur de 12 buts cette saison, dont on a vu progresser crescendo, qui est revenu du Portugal à la fin, en mi-saison, et qui a été super présent. Alexandre Morfo, un mot sur Len Samuel. Alors, Len, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et franchement, félicitations pour ses performances parce que il a été absent pratiquement toute la première partie de la saison et revenir en 12 matchs, claquer 12 buts, ça, il faut le faire. Et c'est à l'image de la révélation de la saison, le coach qui l'a beaucoup aidé et qui lui a fait confiance. Le joueur, c'est quelqu'un de humble. Je pense que c'est mérité, c'est assez mérité ce titre. Et même si c'est vrai qu'on ne peut pas juger un joueur sur 12 matchs, par exemple un joueur comme Ibatobi, qui a été beaucoup plus constant, qui a fait pratiquement toute la saison. Meilleur buteur du championnat, 16 buts. Et Len qui est arrivé après, il est assez constant. Je pense qu'on pourrait croire que s'il avait joué toute la saison, il aurait pu marquer plus de buts. C'est clair, mais la plus-value qu'il apporte à une autre, c'est peut-être ce joueur qui
amène l'Union à être au niveau où l'Union se retrouve. Oui. Non, je suis obligé de rebondir. Je ne saurais ne pas rebondir. Vous savez, c'est un joueur qui a été formé dans mon centre de formation. Non, bon, c'est pas trop longtemps. Dagayo Star, que j'ai pris, qui a été avec nous depuis tout petit, qui a fait ses premières classes en Elite 2 avec Dak, avec moi, en Elite 1. C'est lui qui marque le but de monter de Dak en Elite 2 pour monter en Elite 1. En Elite 1 aussi, il a fait une belle saison. Il était coéquipé du Feu et Bosset. C'était une paire d'attaque exceptionnelle. Je pense que les arguments d'Alex sont tenables parce que le joueur a fait 12 matchs. On se pose la question, s'il en avait fait plus, aurait-il marqué davantage ou non? Mais je pense, en termes de qualité, quand on dit meilleur joueur, oui, en général, on parle d'attaquant, mais il y a aussi la qualité intrinsèque du joueur. La qualité intrinsèque, ce gamin, c'est un pur talent. Peut-être que je tire mon propre vélo, mais vraiment, 12 buts en 12 matchs. Parce qu'à un moment, on m'a toujours appris, quand tu parles d'attaquant, il faut penser ratio. Le ratio, c'est quoi? Nombre de buts comparé au nombre de matchs joués. Le joueur n'aurait pas pu jouer le même buteur du championnat, comme vous l'avez si bien dit, Batobi, 16 buts en 30 matchs. En 30 matchs, ça fait 5. Alors que là, c'est un but quasiment par match. Et en termes de potentiel, c'est vraiment pas la chose. Voilà, donc vraiment, je pense que c'est mérité. Mais je pense que c'est un gamin qui a besoin de travailler dur, de garder la tête sur les épaules. Parce que s'il le fait, il a les qualités pour aller très loin. Et j'espère qu'il le fera. Moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'ait pas joué plus de matchs. Samuel Lenn, parce que c'était un régal de le voir jouer. Ça, on est d'accord, même sur la qualité intrinsèque du joueur. Ils sont très peu cette saison qui nous ont éblouis, que ce soit au stade de la réunification ou bien dans d'autres stades. Mais je regarde le fait qu'il n'ait pas joué autant de matchs. Et je pense également qu'il a bénéficié d'un peu de fraîcheur par rapport aux autres. Les autres ont joué la première partie du championnat, c'était assez rude. Et lui, il arrive pour les 12 derniers matchs de la saison. C'est vrai qu'il a eu des petits problèmes pour intégrer le groupe bien avant, mais il n'a joué que les 12 matchs. Il a marqué 12 buts. S'il avait joué un peu plus, je crois qu'il se serait essoufflé un peu et il aurait compris que le championnat, ça c'est juste la durée. Et vous, juste la durée. Il y a des joueurs comme Gombe Mbengue. D'abord, sur le plan intrinsèque, c'est un bon footballeur. On est d'accord, on est unanime. C'est d'ailleurs, il est important, l'important d'apporter cette précision. Nous avons décidé que Lenn Samuel soit, enfin, selon le service, le meilleur joueur de la Ligue 1, mais les nominés étaient Ebatobi, Gombe Mbengue, également Joseph Yankee. Bon, à ce niveau, je pense que Procède par élimination. Moi, je procède par élimination. Je dis encore clairement qu'il n'y a pas eu énormément de joueurs qui sont sortis du lot. Et Lenn, malgré ses 12 matchs, est dans le top 5 des meilleurs joueurs. Pour moi, il ne peut pas être le meilleur joueur du championnat parce qu'il n'a pas joué autant de matchs. S'il avait joué au moins 20 matchs, j'aurais décerné le titre de meilleur joueur à Samuel Lenn. Mais c'est manqué de respect à tous ceux qui ont joué depuis la première. Non, je dis à tout ce qui a été fait. À la phase du championnat, on avait des joueurs qui étaient au niveau. Je dis, Mbengue, tant qu'il m'a joué, était là. C'est lui qui était le passeur. Qui m'a joué l'avancement de Botafogo. Lui qui m'a joué, qui allait au Maroc, avait 10 buts. Et sur les 10 buts, il y avait au moins 6 qui venaient de Mbengue. Il jouait en retrait. Et lorsque Kema joue partout, parti, c'est lui qui a pris le devant de la scène. Il a eu un peu de retrait parce que Botafogo d'équipe a également chuté un peu dans l'intensité. Après, vers la fin, il est revenu au devant de la scène. On ne pouvait pas mettre ça de côté parce que Samuel Lenn a fait une saison. Je reconnais que si Union n'avait pas fait jouer Samuel Lenn sur les 12 matchs, ça aurait été difficile de tenir ce pari-là. Mais il y a des joueurs. Et Batobi, c'est vrai, c'est le meilleur que Basile Baba qui joue. Basile Baba qui joue à New Star même dans l'équipe de Batobi est un défenseur central de formation qui a été propulsé 9,5, qui est devenu avant-centre par la force du travail, a marqué 13 buts quand même cette saison. Ce n'est pas à jeter à la poubelle. Et il y a des joueurs même au milieu de terrain qui n'ont forcément pas marqué beaucoup de buts, mais qui ont apporté beaucoup. Parce que moi, je pense que Ken Guiladjoué, par exemple, Ken pourrait être dans le 15e. Ken également a été blessé. Il ne faut pas oublier qu'il a été blessé, je ne sais pas, à peine 2 mois. Un argument technique sur ce qu'il a dit de joueur essoufflé. Je vous dirais plutôt que quand un joueur vient trouver le championnat qui est en cours comme ça, il peut en fait manquer de rythme par rapport aux autres, de ne pas rattraper le rythme. On ne s'essouffle pas après 28 ou 30 ou je ne sais pas combien de journées. Mais coach, il s'est passionné à peu près 3 mois avec l'équipe dont il a pu... La compétition et les entraînements, Alex qui est un ancien footballeur professionnel vous dira, la compétition et les entraînements n'ont rien à voir. Effectivement, Alex, au championnat, justement, si le joueur est bon, il est bon. Je dis qu'il est bon, je ne retire rien, mais je dis pour qu'il soit meilleur joueur du championnat, c'est de la première à la dernière journée, au moins 25 matchs, au moins minimum. On va prendre l'avis d'Alex assez rapidement pour sortir de ce sujet. Je pense que Lenn, il a fait une grosse seconde partie de la saison, mais il ne faudrait pas s'enflammer. Il ne faudrait pas s'enflammer parce que avoir 12 buts en 12 matchs, ça ne fait pas de lui le meilleur joueur du championnat. Et il faut être réaliste, on est encore loin du niveau international. Parce que Lenn, il a déjà 22 ans. Et il vient du Portugal quand même. Il vient du Portugal où il n'a pas été compétitif. Bon, on va pas discuter. Il n'a pas été compétitif.
Donc ouais. il faudrait pas l'oublier. Je pense que pour aider le joueur aussi, il faudrait pas lui mettre dans la tête que voilà, je suis déjà le meilleur. Il a encore loin de. On l'a pas fait pour le faire. Attention, je pense que on ne connaît ni Dadan ni Dave. Je pense qu'il est parmi les trois meilleurs joueurs, mais le meilleur joueur du championnat, j'en suis pas sûr. Être parmi les trois meilleurs joueurs, déjà, c'est déjà quelque chose de très bien. Ce n'est pas une question de but, c'est une question de qualité intrinsèque. Quand on dit meilleur joueur du championnat, si on veut dire meilleur attaquant, c'est autre chose. On parle du meilleur joueur, ça peut être un défenseur central, comme un gardien, comme qui que ce soit. Quand on dit meilleur joueur, c'est parce que la qualité intrinsèque, ils ont décidé. Très bien. Ça il faut répéter les gammes. Vous savez, il faut répéter les gammes. Très bien. Malgré choix, Moya Boudaga. L'actualité et tendance. On rappelle aussi qu'effectivement, du côté du bas de tableau, il y a eu la descente notamment des clubs dimitiques, Canon de Yaoundé, Tondé, Kalara Club, bien sûr, qui est assez triste, même si ce murmure, effectivement, qu'il y a une certaine volonté de ne pas vouloir faire. Volonté de ne pas vouloir faire descendre ces clubs. On ne va pas en débattre, on ne va pas épiloguer. On va laisser cette responsabilité à ceux qui décident ou bien qui considèrent que cela pourrait mettre à mal notre championnat. Cependant, on va simplement accueillir sur ce plateau un personnage qui fait honneur à cette émission, Mirabeau Maroc et son petit journal. Sur le plateau Samedi Sport pour accueillir Mirabeau Maroc. Mirabeau Maroc, bonsoir. Bonsoir, Izzy. Bonsoir à tout le panel. Bienvenue une fois de plus sur le plateau Samedi Sport avec la suite de l'actualité de la Ligue. On ne sait pas si vous allez rester en Ligue 1 ou vous allez continuer en Ligue 2. Non, je continue en Ligue 1, mais vous avez parlé de la saison passée. Moi, je vais parler de la saison à venir parce que celle qui est passée, Coton est champion, c'est fini. C'est comme, bon. comme quoi la corrélation entre vous et moi. Bien sûr, j'avais écouté la saison passée, mais elle est passée avec toutes ces difficultés et ces matchs enchaînés, les équipes qui étaient presque toujours fatiguées parce que passer le temps à voyager. Cette fois, je vous présente la saison à venir. C'est vrai que les tractations se poursuivent. Peut-être on va jouer à 20, 22, 24, on ne sait pas encore. Mais ça, c'est la carte du championnat à venir avec 18 clubs. Pour l'instant, on a 18 clubs en Ligue 1 et la saison prochaine, il risque d'être 18, sauf s'il y a changement. 18 clubs en championnat, la carte de la Ligue 1. La Ligue 1 se joue dans 5 régions la saison prochaine. 5 autres régions seront exemptes. 18 clubs, on aura un club dans le Septentrion, Extrême Nord, Nord et Adamawa inclus. Un seul club, c'est Coton Sport de Garoua qui va représenter tout le Septentrion en Ligue 1 la saison prochaine. On aura 5 clubs dans le littoral, 4 clubs à Douala et 1 à Loum. On le sait, les 5 clubs dans le littoral, c'est New Star, Union, Les Astres, Botafogo et UMS de Loum. On aura un club dans la zone anglophone, nord-ouest et sud-ouest inclus. C'est Young Sport Academy qui aura tout le drapeau anglophone en Ligue 1. On aura 4 clubs dans la région du centre, Cosmos de Bafia qui s'est maintenu, APGS Donfou, Dragon et Iding de la Ligue qui va venir compléter ce quatuor des clubs de la région du centre. Et le meilleur ratio, c'est la région de l'Ouest avec 7 clubs venus de l'Ouest, Unisport, Panthère, Aigle, Pamboutos, Lyon, Blessé, Fauvou et Racin. 7 clubs, donc il y aura 7 voyages à effectuer du côté de la région de l'Ouest la saison prochaine. Ça fait 18 clubs, 5 régions impliquées. L'extrême nord, le nord, l'Adamawa, l'extrême nord, l'Adamawa, le sud-ouest, l'est et le sud sont hors course pour cette saison à venir, sauf si on passe à 20, 22 ou 24. Bon, on va se contenter de la Coupe du Cameroun, c'est ce qui est prévu dès ce vendredi avec les 32e de finale de cette Coupe du Cameroun au programme. Sadima dès ce vendredi avec 6 rencontres à Yaoundé, Bafan et Bertois. La suite, c'est samedi avec d'autres rencontres. Et à suivre dimanche, le déplacement du tenant du titre. C'est ce dimanche qu'Coton Sport de Garoua qui sera à Bertois pour affronter le 4e représentant de la région du centre. On parlait de la Ligue 2 et on sait 3 clubs sont montés en Ligue 1. Aigle, Racin de Bafoussam et Disport de la Ligue. Et on parle de l'un de ces clubs mythiques, le Racin de Bafoussam, le tout puissant de l'Ouest, pour son retour en Ligue 1. Un document exclusif. Voici un club où football rime avec fête populaire. Une fête où tout le monde danse sans limite. Sans distinction d'âge, de race ou de sexe.
Ils dansent tous à la gloire du club de leur cœur. Ils sont tous atteints de la fièvre rouge. Ils sont prêts à donner de leur vie pour le Racing Club de Bafoussam. Nous sommes nés avec ça. Nos parents, nos anciens parents étaient là-bas. Quand tu es né à Bafoussam, tu dois connaître ce que ça veut dire. Et ça, c'est dans le sang. Le Racing, c'est d'abord son armée cinglée, célèbre groupe de supporters restés fidèles au club. Et dans cette armée faite de passion, voici le colonel. C'est un colonel, c'est un meneur de troupe, un meneur d'hommes. Donc pendant que je suis au stade, permettez-moi, excusez-moi, pardon, permettez-moi, je suis missionné, parce que mon camp risque d'être en faillite. La faillite, le tout-puissant de l'Ouest l'a connu pendant près de deux décennies. Et pour ce dernier match de championnat contre AS Matelo, les soldats ont sorti leur plus belle tunique. Une chose est sûre, quand vous voyez la tenue, autant pour moi, du colonel que vous voyez là, c'est une tenue qui a fait 10 ans dans la valise. Un matin, ça ressort frais et bien repassé. Comprenez que nous ne sommes jamais morts. Nous étions en repos. Nous sommes ressuscités. Comme pour dire, Racing de l'avant, Racing de l'avant. Nous irons jusqu'au bout. Je suis sûr qu'il veut mourir pendant que Racing. Et pendant que le colonel raconte les exploits du club de son cœur, le Racing inscrit un but. Je veux mourir pendant que Racing serait en première division. Ce but permet au club de Bafoussam d'être champion de la Ligue 2 cette saison. Champion de la Ligue 2 ! Champion de la Ligue 2 ! Vous avez vu la joie ? C'est vous qui êtes arrivé, c'est arrivé ! C'est arrivé, champion, nous sommes des champions, nous sommes des champions ! Vous avez vu, champion ! Vous avez vu, champion du Cameroun ! Champion du Cameroun ! Champion du Cameroun 2016 ! Champion 2016 ! Le Racing n'a pas toujours connu la joie et la victoire. L'équipe sort de 14 années de purgatoire régional. J'ai les larmes aux yeux quand je parle. Regardez, tout est vêtu de rouge et de blanc. C'est un réel plaisir de retrouver le Tout-Puissant, le grand Racing de Bafoussam encore en première division. Maintenant, nous sommes juste satisfaits de retrouver ce que nous avons perdu. Nous avons perdu. C'était la tristesse. Beaucoup de gens sont décédés sans connaître que nous pouvions encore revenir dans cette élite. Le Racing, c'est son stade mythique de Bamenzi, vieille bâtisse, théâtre de tous les exploits. Ici, c'est Bamenzi. Bamenzi, c'est chez nous. Nous voulons donner juste un élan pour que les populations du Cameroun comprennent qu'ils doivent soutenir les équipes phares. C'est nous, c'est tout le monde. Rendons le football gay. Racing hier n'avait pas besoin d'un président qui devait mettre 100 millions ou 200 millions. Racing, c'était des cartes de membres qui se vendaient comme des petits bouts de pain. Je me rappelle quand Henri Oussoufou est arrivé à Bafoussam. On a payé des entraînements pour 500 francs. On avait fait 5 millions ce jour quand Racing, quand Henri Oussoufou est arrivé ce jeudi au stade municipal de Bamenzi. Quatre fois champion du Cameroun, vainqueur de la Coupe en 96, en surnommant ce club tout puissant de l'Ouest, le journaliste Abel Mengi a vu juste. Il nous a permis de croire que un tout puissant en cache un autre. Le tout puissant Mazembe du Congo en cachait un tout puissant qui était le nôtre. Il nous a offert ce nom-là. Nous nous appelons le tout puissant de l'Ouest. C'était dans ce même stade. C'était dans ce même stade. Et il y a au moins 30 ans aujourd'hui. Nous lui disons grandement merci. La seule chose que veuillez penser, c'est déjà d'éviter des querelles intestines et fratricides, de dire c'est Racing de tel à tel. Nous, quand on était tout petit, tout jeune, je suis né Racing, je vis Racing, je respire Racing. Il est hors de question de dire Racing appartient à qui que ce soit. C'est le Racing de Bafoussam. Le Racing retrouve en Ligue 1 les mythiques Aigle Bambuto Panthère, Unisport et Fauvou. Spectacle assuré lors des différents derbies.
ambiance qu'on peut difficilement vivre quand une rencontre en Ligue 1 oppose peut-être des équipes qui ne sont pas mythiques, mais les ambiances qu'on va certainement vivre pendant un certain Racing Bambutos. Très bien. Tout le monde l'attend. Très bien. C'était justement Mirabeau Marop et son petit journal. Il y a eu plein d'émotions sur le plateau pendant cette diffusion, bien sûr, notamment Chomo et Aboudala et tout le reste. On passe très vite à cette transition, on revient. Alors, justement, on évolue toujours avec cette actualité camerounaise concernant la titraille El Mundo Deportivo en Espagne, qui a récemment publié, non pas celle-ci, Bassa para Torato, mais plutôt avec le cas Patrice Soucia, effectivement, ce jeune Camerounais qui, était du côté du FC Barcelone, avec la mesure de la FIFA qui a interdit, du moins qui a considéré que dans les transferts des jeunes joueurs qui sont arrivés du côté de la Masia, il y a eu pas mal de faits d'irrégularités, notamment la sanction de la FIFA allait jusqu'au bout. Maintenant, elle a demandé à tous ces jeunes joueurs qui étaient sanctionnés, notamment le Camerounais Patrice Soucia, de tout simplement ne plus s'entraîner avec l'effectif des jeunes du FC Barcelone et de quitter le club. Il y a aussi un Américain, il y a aussi un Asiatique éventuellement. Aujourd'hui, la situation du jeune Camerounais est assez critique puisqu'il a été, entre guillemets, accueilli par une famille espagnole qui est en train de s'occuper tant bien que mal de lui. Alors, je veux juste prendre votre réaction sur le cas de ce joueur dans ces situations qui, encore, la FIFA va très loin dans leurs mesures, Boudaga. Oui, je pense que c'est quand même assez dur parce que dans ce cas-là, on doit regarder la situation du joueur et celle du joueur seulement. Il faut savoir que c'est un mineur. Oui, bien sûr. Donc, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de délicatesse. Un mineur qui est au FC Barcelone depuis plusieurs années déjà. Donc, de le sortir de là déjà, c'est quelque chose d'assez complexe à vivre pour ce gamin. Parce que comment est-ce qu'il le prend? Maintenant, je pense qu'il y a des formules. Parce qu'on lui dit bien de quitter le club, mais pas de quitter l'Espagne. Donc, je pense que le traité de Cotonou permet, par exemple, qu'il puisse étudier et jouer dans un club qui n'est pas professionnel, être formé par un autre club qui n'est pas professionnel, puisqu'il est déjà résident là-bas. Pour le fait d'avoir résident pendant un certain nombre d'années, une famille peut décider de l'adopter. Il y a plein de formules comme ça, mais je pense que c'est assez difficile à vivre pour un enfant. Et je pense que la FIFA, la sanction déjà en elle-même était bien. Je pense qu'ils auraient dû laisser passer ces cas, puisqu'ils sont déjà dans le club. Et déjà pour l'avenir, je crois que ce soit le Barça ou tout autre club, ne s'hasardera plus à faire ça parce que tout le monde connaît les sanctions qui s'en suivent. Vous voyez aujourd'hui les Arda Turan et Vidal Alex Vidal qui ne peuvent pas jouer à cause de cela. Donc, mais vraiment, les pensées vont au joueur parce que c'est un gamin, c'est un mineur. J'imagine que c'est quelque chose de difficile à vivre pour le joueur et pour sa famille. Restons dans le cas toujours de cette histoire parce que effectivement le jeune justement Patrice Soucia était un joueur de la Fonte de Sport, la Fonte de Sport qui appartient justement entre guillemets, Samuel Eto'o, bien sûr, donc, que l'on sait. Et cette actualité, ou tout au moins cette rumeur autour d'un éventuel retour de Samuel Eto'o, qui est en train de faire beaucoup de bruit sur la toile, on l'aurait, notamment certains émissaires du gouvernement, l'auraient approché pour pouvoir demander à Samuel Eto'o d'être présent, notamment lors des prochaines compétitions avec le Cameroun. Selon vous, info ou intox? Je pense que ça reste encore sur la toile. Hein. Il faudrait que ça reste dans la toile parce que le gouvernement ne vous dira pas officiellement qu'ils en ont fait une démarche, c'est que c'est un peu trop gros. On sait que ça s'est fait par le passé, mais toujours en backstage, voilà. Toujours officieusement. Ça peut se faire, connaissant notre pays, on sait que ça peut se faire. Mais quel intérêt maintenant? Merci à vous l'étranger. Non, ça veut dire que c'est balayé d'un revers de la main, ce qui a déjà été fait depuis la Coupe du Monde de 2014 jusqu'à maintenant, de faire un retour en arrière, même si ça s'est fait déjà avec Basson, qui a été rappelé récemment, mais ça pourrait se faire. Bah, ça veut dire qu'à moi, il ne faut jamais dire jamais. Donc, on pourrait retrouver Samuel Eto'o à la CAN 2017, pourquoi pas, pour terminer avec l'équipe nationale, comme Drogba l'a fait en tant que remplaçant de luxe. Ça pourrait le faire, mais quel intérêt maintenant, la gâchée entre 2014 et 2015, quelques années, en quelques mois encore de Samuel Eto'o avec le but qu'il marque en Turquie et autres. Donc, je crois que c'est une information qui est entre Intox et Info. Très bien, on va évoluer avec cette nouvelle rubrique intitulé l'image sport qui est simplement une rubrique que vous allez normalement découvrir pour les prochaines éditions et celle-ci bien sûr car il s'agit simplement de faire un focus sur certains clubs européens notamment Manchester City pour ne pas le nommer car effectivement nous sommes assez
bien avancer avec ce club, pouvoir dans les toutes prochaines éditions, notamment la saison 2 de Samedi Sport, vous offrir une immersion des caméras de Canal 2 dans la fameuse académie de Manchester City, notamment de la banlieue de Manchester. Et tout ça, bien sûr, sera encadré par Patrick Vieira. Alors, voici pour vous l'image sport de la semaine. Le transfert d'été de Manchester City a été mouvementé et 8 joueurs ont rejoint l'effectif. Cependant, 18 ont été libérés de la Premier League, certains ont été prêtés et d'autres sont partis volontairement. Raheem Sterling a quitté Liverpool pour Manchester City en juillet, ce qui a fait le bonheur de sa maman. Alors, léger problème technique, ça arrive, hein, c'est ça aussi les soucis du direct. On évolue avec le dernier sujet de cette édition autour du cas du jeune prodige français Martial, transféré très récemment du côté de Manchester United. Alors, la question que l'on va se poser, et comme le l'indique la titraille du quotidien L'Équipe, que vous allez voir à l'image, qui considère que Martial serait plus cher que Zidane. C'est vrai que Martial est plus cher que Zidane. Est-ce qu'on n'assiste pas à une folie des marchés Je pense qu'il il faudrait noter quelque chose, c'est que Anthony Martial, c'est déjà un jeune joueur extraordinaire parce qu'à l'âge de 17 ans, il part de Lyon à Monaco pour 5 millions d'euros déjà, alors qu'il n'a que 3 matchs en Ligue 1. Et Anthony Martial, c'est 19 ans et 51 matchs de Ligue 1 pour 11 buts. Non. Je pense déjà, il y en a qui disent que avec le culot, il a avec... seulement 11 buts, mais je dirais plutôt il a déjà 11 buts. Parce que quand on regarde les 15 plus gros transferts de l'histoire, les Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, Neymar et autres, à l'âge de 19 ans, il n'y en a pas un seul qui a ces statistiques-là. Alors on pourrait croire que il faudrait prendre ça comme un investissement aussi, un pari en même temps sportif que marketing. Vous voyez un peu ? Alors, moi, je pense qu'Anthony Martial, déjà, il n'est pas plus cher que Zidane parce que c'est 50 millions d'euros sec. On va y arriver, bien avec sûr. 30% de bonus et réparti. Il faudrait savoir si, déjà, il pourrait faire gagner ces 30 millions à Monaco. Je ne pense pas que ce sera possible parce qu'il sera déjà parti avant la fin de son contrat. Mais il y en a qui disent, il y a une légende d'Arsenal, Ray Parlour, qui a qualifié Anthony Martial. Le joueur de couloir droit. Voilà, d'Arsenal, tant de Pires et compagnie. Il a qualifié Anthony Martial de flop. Moi, je ne pourrais pas dire qu'Anthony, c'est un flop, mais je pense que c'est un coup de génie aussi de son agent qui croit qu'il aura une grosse valeur dans quelques années. Alors, Anthony Martial, excusez-moi de finir, Anthony Martial, je pense qu'il mérite les 50 millions. Et il coûtera plus cher parce que dans la liste des meilleurs joueurs, des plus gros transferts de l'histoire, il n'y a que Neymar qui a réussi à avoir les mêmes statistiques. Les Luis Suarez, ils n'ont pas fait mieux. Mais déjà, son potentiel, quand on a vu la fin de la saison dernière en Ligue 1, il avait à peine 18 ans, il a tout de même réussi à mettre, excusez du peu, Berbatov sur le banc, ça il faut le faire. Je pense qu'on a vu sa fin de saison l'année dernière, c'était tout de même du très très haut niveau. Alors je ne vous parle pas du début de saison, notamment la qualification Ligue des Champions. Martial, c'est aussi 11 matchs de Champions League dans les jambes aussi. D'ailleurs, personnellement, je me souviens, et ça je ne vais jamais l'oublier, je me souviens lorsque je l'ai vu jouer, c'était la rencontre Monaco face à Valence, il y a quelques semaines avant qu'il ne signe. En un éclair, j'ai eu l'impression de voir Samuel Eto'o. Et il faut dire aussi qu'il y a le timing, parce qu'on a l'habitude, lors de la dernière journée du Mercato, il y a quand même un peu de pression. Quand vous êtes un club de la trempe de Manchester United, que vous avez fait partie Robin Van Persie, que vous avez comme attaquant reconnu Wayne Rooney et le Mexicain Hernandez, vous avez besoin d'un attaquant. Et quand vous ciblez Martial depuis un certain moment, et que vous vous rendez compte que Manchester City est intéressé, Arsenal est intéressé, et comme Arsenal n'a pas pu recruter de joueurs phares à part Peter Cech, des informations que j'ai, lors de la dernière journée, Arsenal était sur le coup. Mais on connaît bien qu'Arsenal... Chelsea également. Voilà. Chelsea également. Même Valence à un moment, oui. Voilà. Donc, comme c'est la dernière journée et qu'on connaît bien qu'une équipe comme Arsenal ne paye pas toujours très très cher, aime le joueur au meilleur prix possible,
Je pense qu'à ce moment-là, il y avait aussi un peu de pression, que le joueur, ils auraient pu avoir le joueur pour un peu moins, mais il fallait vraiment tenter Monaco. Et pour tenter Monaco, il fallait mettre le prix qui leur donne envie de céder le joueur, parce qu'ils n'avaient pas de possibilité de le remplacer, parce que ça s'est fait lors du dernier jour. Donc à 19 ans, il a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi le travail de l'agent et il y a la pression du dernier jour qui a fait que ce transfert a pu se faire à ce prix-là. Très bien, on va évoluer avec cette titre hein, de la presse internationale, notamment l'équipe, comme on l'a dit à l'instant, qui parlait du cas de Martial et aussi, bien sûr, l'hebdomadaire France Football qu'on a évoqué lors de la rubrique Média Presse, qui parle du pauvre Martial. Je vais demander la réaction d'agrandir un tout petit peu cette titraille de France Football, qui parle du pauvre Martial, qui est un peu victime, hein, notamment de la décadence des marchés transférés. Oui, justement, je vais réagir. Pauvre Martial, je comprends bien cette titraille, parce qu'il ne signe pas n'importe quoi quand même. C'est dans le théâtre des rêves qu'il va aller jouer. C'est à Manchester United. C'est un maillot qui pèse lourd. Et on ne signe pas à Manchester United au hasard d'une ruelle, hein. Ouais, je crois que dans le temps, c'est vrai qu'on ne va pas comparer les générations. Wayne Rooney avait quand même été acheté avec un montant un peu similaire par rapport à son époque. Ouais, par rapport à son époque. Ça il avait pratiquement le même âge, 17 ans. Ouais, ou 17 ça fait ans un peu parler, mais c'était des vertons. Là, ça fait quand même un grand coup. Je le dis parce que le tournée médiatique qui est autour de cette affaire, et il y a de quoi quand même se poser des questions sur le transfert coûteux ou pas. Où est-ce qu'on va justement? Parce que quand on regarde un montant faramineux comme ça, on se dit que sûrement les anciens sont montés parce qu'il y avait d'autres clubs sur Anthony Martial. Ça veut dire qu'il a quand même du potentiel. Donc quand on vit en lui un Thierry Henry pour notre ami Anthony Martial, au niveau des statistiques, je dirais quand même que pour sa véritable saison en Ligue 1 avec l'AS Monaco, 40 matchs, pas mal de 15 buts cette saison, toute compétition confondue avec l'AS Monaco, je disais que c'est beaucoup plus sur l'avenir comme issue. J'ai regardé la déclaration quand même sur le site Huffington Post en Angleterre, où l'entraîneur disait, parce qu'il y avait un tournée médiatique autour de ce type de ce jeune joueur, parce qu'on a fait venir Anan Yanuzat, vous savez que Yanuzat n'a pas encore le Belge, montré, oui, le Belge n'a pas encore, il a beaucoup de pays, ouais. Tous les cas, Belge et autres. Donc on se pose des questions. Alors notre jeune, est-ce qu'il va justement rentabiliser au niveau de l'agence? C'est pour ça qu'on a signé un peu plus long, je crois, c'est 4 ans avec une année en option. Ou l'entraîneur dit, je n'ai pas fait signer, c'est Van Gaal qui dit, je n'ai pas fait signer Martial pour l'utiliser, c'est pour le prochain entraîneur de Manchester United. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est la direction du club qui a imposé à ce que Martial soit dans le futur projet. Et quand on parle du futur entraîneur, vous savez que Ryan Giggs est destiné à prendre les rênes de cette formation lorsque Van Gaal est venu pour stabiliser Manchester United après le départ de Ferguson. Vous savez que ça n'a pas donné avec Moïse, donc il fallait essayer de mettre tout ça. Je pense que l'enjeu désormais pour Martial, pour la stabilité, c'est… Pour la stabilité aussi du jeu, rappelons que Martial, aussi jeune qu'il puisse paraître, il est déjà marié. Hein. Il est marié, il a un enfant, un deuxième. C'est-à-dire que je veux dire que ce sont des paramètres pour un grand club comme Manchester qui compte énormément. Hein. Oui. Fais attention. Qu'il soit marié. Non, parce que ça contribue à la stabilité du jeune joueur. Parce qu'on considère que lorsque vous êtes transféré à 80 millions d'euros et que vous allez toucher, là, il va passer entre 4 et 5 millions d'euros de revenus annuels. Si vous n'êtes pas star, je pense que c'est très compliqué d'avoir le meilleur de vous sur l'intérieur du football. Je crois qu'il est suivi et ils sont très peu à son âge qui ont fait quand même toutes les classes. Il faut quand même l'accepter. C'est vrai qu'il a été formé à Lyon où il a commencé avec les U17 et il a très vite intégré les sélections nationales. C'est-à-dire U17, U18, U19 avec les espoirs et puis avec l'équipe nationale. Et ils sont très peu qui suivent ce canevas-là. On ne peut pas citer Giroud parce que Giroud c'était un cas de force de la nature. Donc, le plus gros défi désormais pour Anthony Martial, ce sera de supporter la pression médiatique. Vous savez qu'en Angleterre, ça ne pardonne pas. Suarez est parti de l'Angleterre parce qu'il y avait une grosse pression médiatique. Il ne pourra pas rentabiliser cet argent-là sur une année parce que je crois que sur les années en option, on a dit qu'il faut… C'est 50 millions d'euros. En réalité, c'est 50 millions et 30 millions de bonus. Donc 10 millions si il a un certain nombre de sélections en équipe de France, etc. S'il gagne le ballon d'or, bref, c'est… On va dire rapidement, 10 millions de plus s'il atteint la barre de 27 buts. Je pense que pour un début, ça sera difficile. Peut-être sur la durée. Parce que là, actuellement, ça serait difficile pour lui. En gros, Martial n'attendra pas. On peut dire certainement. N'attendra pas le chiffre des Zidane. Un jour, assurément, quand il parle de pression médiatique, pour avoir beaucoup côtoyé ce club de Manchester United, pour avoir vécu à Manchester près de 10 ans, je vous dis, c'est un club qui vit football. C'est un club où on connaît gérer ce genre de joueur qui vient. C'est-à-dire que les Pogba, quand Pogba arrivait à Manchester, il avait à peine 16 à 17 ans. Il sortait du Havre. Et Manchester a une cellule de recrutement qui suit toutes les compétitions de jeunes en Europe. C'est-à-dire les Martial ont été suivis des années. C'est pas le fruit du hasard. Donc c'est pas le fruit du hasard. Quand vous dites c'est un recrutement du club, je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est un joueur que le club suit depuis longtemps.
et c'est un club famille, c'est un club qui a cette mentalité de forger des champions. Ça va peut-être prendre du temps, mais si ce potentiel qu'il a s'avère exploser, c'est parce que le club aura mis en place le mécanisme, parce qu'ils ont cette habitude-là de produire des talents. C'est un club qui vit, qui respire football. Quand vous y arrivez, vous croisez un Ryan Giggs, vous avez les Paul Scholes qui sont encore autour du club. C'est un club qui vit football, donc il pourra s'imposer. La pression autour de l'équipe en elle-même sur le plan médiatique, surtout chez les jeunes, ce club s'est géré parce qu'aujourd'hui, on compte sur Wayne Rooney. On va l'acclimater petit à petit. Le cas Yanouzaï est différent parce que Yanouzaï est venu plus jeune. Donc, il a fait ses classes dans les équipes de jeunes, les réserves de l'équipe de Manchester avant d'exploser. Très bien. Alors que lui a été Très rapidement, une seconde. Voilà, sur les conditions, il a fait moins de 25 sélections en équipe de France. Cette signature, ça veut dire qu'il fait un trait sur l'équipe nationale de France pour l'Euro 2016. Parce qu'il n'aura pas de temps de jeu direct à Manchester United. Pas forcément. Avec le Memphis. On en ressort. Je dis la chose clairement. On en ressort. On en ressort Marc Lionel Chouameau avec tout simplement le Zabnet de la semaine. Nummer 0. Slår in den här och Jarabui gör 2-0. Med för lite uppvaktning från AIKs mittbackar och 1-0 blir 2-0 nu. Och vi har en dubbel målskytt. Gael Njanamoi är därmed skytteliga. Återigen hittar de ner på kanten. Och så är det inspel från Tunebro som är bra. Och Nordin hade gått ut på kanten för att sätta press på Eskilstuna. Och Sarri hade inte markering. Och det blev helt fel för AIK. 2-0 till Eskilstuna. Det kommer mera dock. Eskilstuna spelar suveränt. Enda som saknas i målen nu är det Skog! I ribban! Och mål av Njanamoi! Vi har en tremålsskytt. Äkta hattrick. 1-0, 2-0 och 3-0. Retour sur le plateau de Samedi Sport, car messieurs, dames, je vous invite à suivre un documentaire exclusif sur les buts de basket, car en dessous de ce documentaire, justement, il y a quelques raisons qu'on va vous évoquer juste après. Avant cela, on vous prie de bien vouloir être attentif. Tu repenses justement à tous ces moments, tous les hauts, tous les bas. Je ne changerai pour rien au monde, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qui rend l'histoire encore plus belle. J'avais qu'une crainte, c'était qu'un jour la génération de Tony et de Boris arrête sans avoir été sacré. Et c'est parce qu'en junior, en 2000, on gagne, il y a cette flamme qui s'est créée et que je m'étais promis à moi-même que j'essaierais de rapporter le premier titre au basket français. On s'est dit, bon, mais dans 10 ans, on se retrouve tous en équipe nationale. Écoutez le Branca, vivez ça avec nous. Tony Parker, avec son petit tir drop. Et oh, Pietrus, qui est tombé des étoiles. Vous vous rappelez le bruit qu'il faisait quand on est rentré? Ouais, bien sûr. Surtout, c'est que les Serbes, c'est le berceau du basket européen, quoi. C'était la référence. Des Serbes au Monténégrin, mais il va les jouer quand même, Tony, il va les jouer. Et il marque. Tout le monde disait qu'on allait perdre. Thiago qui pénètre pour un bon shoot de Mikael, j'ai la balle. Extraordinaire. C'est ce qui a lancé cette génération. Place l'opère. Oh là 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 là, c'est pas possible, combien de points là? C'est gagné! C'est inimaginable! On a raté notre demi-finale. Balle perdue sur la remise en jeu des Français. C'est très dur à avaler. La plus grosse défaite que j'ai eue en équipe de France. Gagner ce match sur la dernière chute à 3 points. Dizis pour le show de Diamantidis. On a fait un grand pas en arrière en 2007 où on perd ce quart contre la Russie et après on termine 8e. On n'a pas réussi à ressaisir la barre derrière. C'est le plus gros cauchemar de l'histoire du basket français que l'on vient de vivre. On descend au plus bas que le basket français soit redescendu. C'est vrai qu'il y a eu une période là où tu te dis, bon, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas réussir? Pour moi, quand je suis arrivé en 2009, j'ai tout de suite compris que voilà,
c'est bien mon coco, t'arrives, mais c'est pas là pour t'amuser. Quoi. Ouais, c'est une discipline à voir si tu veux gagner, c'est tout. J'étais impressionné quand même, parce que me dire j'ai enfin joué avec vous. Parce qu'on nous dit souvent que c'est parce qu'on inculque ces règles, etc. Mais il faut aussi les gens en face pour y adhérer. Contrairement à des générations passées, ce sont des générations qui sont liées d'amitié. Chaque fois que quelqu'un vient en équipe de France, on essaie de faire en sorte qu'il soit le mieux possible. Ah. Un qui m'avait particulièrement fait rire, c'était Yakuba. Il avait fait tout l'entraînement en cuisse. Il a des cuisses comme ça. Rudy, ce qu'il a dû chanter, ouais. Il a dû chanter son propre anniversaire. C'est vrai. En public. Il s'est souhaité son propre anniversaire. J'ai vraiment eu de la chance, en plus j'étais aux Apeudiels, j'ai pas fait de vélo. Ouais, mais il avait les locks, on avait un peu peur. Donc. On va dire Boris Dio fait en sorte qu'il y ait une très très bonne vie de groupe et que ça n'a pas d'écart. C'est pour ça qu'on l'appelle Robocop. Ça change rien que le joueur soit dans le championnat de France, le championnat espagnol, qui joue en NBA. À partir du moment où on arrive et qu'on est rookie en équipe de France, ben, on est sur un pied d'égalité. Et c'est marrant comment tout le monde rigole, tout le monde s'entend bien. Le soir après, on va faire la mafia et tout le monde veut jouer. Tu sais, il n'y a pas de petit groupe ou quoi que ce soit, on est toujours tous ensemble. Faut pas dire que tout est rose tous les jours. Hein. Il y a des moments où on se prend la tête sur le terrain, où on sait que c'est pour une bonne raison. Quoi. Mais celui qui te chambre, tu sais même pas qui t'a chambré. Ah, lui, non, 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 toi, t'es. Parce qu'en plus, tu n'entends pas. Hein, il va sortir une phrase. Il va te. Juste le mec qui est à côté qui l'a entendu. C'est parce que je vous aime bien, sinon je le ferais pas. Attention! On a commencé avec les barrages en 2009, on a tout cassé d'entrée. Et Boris Dio! L'arrivée aussi de Vincent Collet en 2009. On parlait de Tony Parker, voilà, j'étais comme tout le monde, j'étais coach, mais j'étais aussi fan avant, donc c'est un rapport qui est un peu particulier. Nando De Colo à 3 points. Oh oui, Nando! La vitesse de Nando, Nando qui va! La France efface 30 ans d'affront et d'humiliation. Et la Russie, ça a été un récital. Nico Batum, il est passé! Oh, yes, baby! Que c'était beau, mon garçon! Tony Parker face à Schwed, Tony Parker, cet homme est angélique! La France est en finale du championnat d'Europe pour la première fois de son histoire! Heureusement, on joue l'Espagne. Oh, la faute énorme! C'est un scandale! Il tombe sur la tête, Tony, c'est sale! C'est terminé sur la victoire de l'Espagne! C'est pas facile, des fois, de sacrifier nos vies de famille, nous aussi, donc. Vraiment, c'est l'amour de ce maillot qui nous pousse chaque été à venir. Quoi. Il pourrait passer des vacances de rêve pendant plusieurs mois dans des endroits de rêve et eux, ils prennent l'option de souffrir. Tout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre comme en se battant. Pas comme ça, là. Là, on se fait défoncer, là. J'ai trouvé les bons mots au bon moment. Et son fameux coup de gueule. Est devenu légendaire dans le vestiaire et là on repart et... On fait peut-être en deuxième mi-temps la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français. Pietrus à 3 points. Et oui, Flo! Le chien à 3 points de Tony Parker! Et la France est en finale! Batum qui prend le shoot, compliqué ce shoot, exceptionnel shoot! Qui prend le shoot! Ah, on est champion d'Europe! D'être les premiers à faire quelque chose dans son pays, dans un sport. C'est génial. À jamais, quand tu demanderas à quelle équipe a gagné le premier titre, ce sera toujours notre équipe. La chance exceptionnelle que l'on a, c'est que ces joueurs-là, ils font toujours référence à ceux qui les ont mis dans le système. Donc on revient toujours pareil, au centre fédéral, à l'INSEP. Les choses sont claires, c'est pas un tremplin, l'équipe de France. Si tu viens en équipe de France, c'est pour apporter quelque chose et pour aider l'équipe de France à être meilleure et pas le contraire. C'est plus aux anciens de calmer les jeunes. C'est des jeunes super motivés, mais avec un respect pour les anciens, il n'y a rien à dire. Il faut des soldats qui acceptent d'avoir un rôle un peu moins flashy. Mais c'est souvent ces joueurs-là qui font la différence et qui permettent justement aussi aux généraux de jouer leur rôle. En cas, on rencontre nos meilleurs amis, les Espagnols à Madrid, qui ont une équipe de foot. Le flotteur ! Il ne fallait pas trop regarder à gauche et à droite, il fallait foncer. Thomas Hurtel, on s'est gonflé. Oh ! Qui, il y a 15 ans, aurait imaginé qu'on aurait autant de joueurs NBA, qu'on aurait des titres NBA, des sacres de meilleurs joueurs NBA. Bon, personne n'y imaginait, et l'ont fait. Boris Dio, capitaine de l'équipe de France, l'image un peu de cette génération. Tony Parker, le petit prince du basket, l'homme en or,
Mickaël, j'ai la balle. Il a joué à Madrid. Il est depuis le début avec notre génération. Nando De Colo, il était en NBA, alias le fantôme. Nicolas Batum, alias Batman, champion d'Europe junior, champion d'Europe 2013. Florent Pietrus, l'âme de cette équipe. La victoire en 2013, elle n'a pas ralenti notre appétit de victoire, elle l'a accéléré. C'est une famille, quoi. Donc, quand t'aimes ta famille, tu te bats pour ta famille. Ça fait longtemps qu'on en rêve et qu'on en parle, d'une compétition à domicile. Parce que maintenant, c'est nous l'équipe hôte, c'est nous l'équipe à la maison que tout le monde veut taper. Ça peut être historique ce qu'on va faire. J'apprécie vraiment parce que je sais dans ma tête que c'est mon dernier championnat d'Europe. De savoir que c'est notre dernier, ça va nous donner la motivation. L'équipe de cette année, par exemple, c'est certainement la meilleure équipe peut-être dans ma carrière que je vais coacher. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi toujours voulu avoir une compétition internationale à la maison, avec la proximité du public et qu'on puisse gagner ça en fait tous ensemble, tout simplement. L'ensemble des personnes qui ont participé à la réussite de cette émission, notamment l'ensemble des panélistes ici présents, on vous en remercie, tous les spécialistes, Abou Daga, Marc-Denis Chameau, Bruno Yonguet, Alexandre Morfo, Rimazan bien sûr, et notamment du côté de la technique, Diffor, Roland, et bien sûr notre réalisateur Collins Wanchan. En tout cas, sachez, monsieur les dames, que nous, ça nous a dit sport, et si vous, ça vous a dit sport, alors retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. Suivez Samedi Sport sur les réseaux sociaux, sur la page Twitter, Facebook, YouTube, sur PC, tablette et Android.